Tu vas où comme ça? Reste ici. Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire ici. Mike, abonne-toi, sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage. Allô? Allô? Allô, frérot, va te faire. Ça va bien, les mecs? J'ai eu 3 fois Pikachu alternatif et j'ai eu Dracaufeu tout à l'heure. Allô? Allô, allô. On met nos cams, mettez vos cams pour voir. Les gars, moi mardi, live cuisine. Je vais jamais t'arrêter de faire des live cuisine, mec. Et avec qui tu vas faire un live cuisine? Il y en a un d'entre vous deux. Vas-y, qui est le menteur live? Bah, qui? C'est avec Nico et Mich. Vas-y, ok. Oh, oh non. Oui, d'accord, d'accord. Mais Ilan, t'as la déterre. Non mais... Attends. Attends. Hein? Elle sort quand ta vidéo, toi? Merci Nox pour les 100 subs! Attends, parce qu'il en manque encore 100! Merci pour les 100 subs! Merci Nox, mais il en manque encore 100 subs! T'as combien de subs actuellement, Flambi? En fait, j'ai repensé à un truc là, c'est pour ça que j'ai dit fils des putes. T'as combien de subs, Flambi? Ouais, t'as repensé au Dracaufeu? Oui! Bah attends, mais là, vous êtes juste en train de. Bon, c'est pas grave, je parlais, mais bon, je posais des questions, c'est pas grave. Merci pour les 200 subs! Ça va ou quoi, les mecs? Mais Nico, t'es vraiment un gros suceur, c'est moi normalement qui fais le mec triste. Tout le temps tu me voles les édits du mec triste. Mais elle sort quand ta vidéo, Ilan? Le 27 septembre. Waouh. Et pourquoi je suis pas dedans? J'ai un tournage avec Fastwood Cuisine, frérot, tu m'as dit. Non mais y a pas de galère, si tu préfères avoir une carte cadeau de c'est quoi, Ilan, illimité pour Pépé Chicken, vas-y frère. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Flambi? Bah non, c'est parce que moi j'étais pas invité, c'est-à-dire à la base, allez. Ah oui, ouais, à la base c'était pas invité. Ah oui, oui, vraiment en plus. Ah oui, oui, j'étais pas invité à la base. Mais tu l'as dit, t'as pris mes habits, il y avait mes habits. Regarde, il est en train de mettre une musique triste, ce chien là. Regarde, la tête d'homme, je mets une musique triste aussi, j'en ai rien à foutre. Bon, vas-y, bah qui mettra la musique triste? Allez, c'est vrai. Allez, la tête d'homme, j'ai la meilleure musique triste. Vas-y, qui va faire le plus le miskin, vas-y. Ok, allez, allez, sondage. Non, c'est les lumières, Non, j'ai des vraies larmes aux yeux, moi. Tu vois? J'étais en train de vraiment chercher les larmes. Les gars, c'est mouillé. Tu mens. Allez, qu'est-ce que tu fais? Sondage. Bah, Nico, vas-y, allez, juste parce qu'il a les larmes aux yeux. Mais frérot, ça veut dire que c'est un manipulateur. C'est alors, déjà oui. Un manipulateur précoce, cette attention. Non, alors déjà, je suis pas précoce. J'ai déjà tenu un mois avec une meuf. Quoi? Un mois, ça m'arrêtait, frère. C'est à l'époque où j'avais perdu du poids de baiser. Ah, tu dégoûtes, frère. Ah, mais t'es dégoûtant. Il a 3-4 jours le même t-shirt Doz. Oui, c'est vrai, en plus, j'ai dormi avec. Et je viens sur ton live car Ilan ne répond jamais aux commentaires. Ouais, pas de soucis, c'est pas grave. Hein. Ici, c'est que du réel. Non, mais les mecs, je réponds à tous les commentaires. Un mois au lit, horrible. Ilan, Nico, Ilan, il est chaud, wesh. Nico, Flambi, Nico. Mais ça, bah, tu vas pas. 2K viewer Flambi et Nico et bah Elan 10K what the fuck 14. Ouais, tu 11 moi. C'est une blague là ce que je dis. Je dois avoir un bug, je pense que c'est un bug. C'est un bug, ouais. T'as combien toi Flambi? Moi là 2K. Vas-y, on passe en stream tous les deux, Elan? Non, bah non, moi je vais rester avec Flambi, frérot, c'est mon gars. Ah, mais t'es un bâtard, Nico. Ça va Flambi, frérot? Bah attends, je viens de faire un câlin, frère, je suis désolé. Bon, les mecs, j'en profite qu'ils sont pas sur le stream. Comme... Venez sur mon stream, les gars, j'offre 50 subs là sur mon stream. C'est bien, c'est bien. Voilà. Ça va, Nico, t'as pas pris la grosse tête par hasard? C'est quoi ce t-shirt lion que t'as mis? Frérot, ma daronne, elle m'a offert ce t-shirt, ça. J'ai fait exprès de l'oublier à la maison, elle me l'a jeté par la tête pour me ramener. Et je te jure, sur tout ce que j'ai, il pue la clope de fou. Il sent la nicotine, allez. Ça s'appelle nicotine. Merci à Samon, ouvrez des boosters, STP. J'ai plus de boosters, les mecs, j'ai plus de boosters. Aujourd'hui, j'ai ouvert des boosters, j'ai eu Dracaufeu. Ilan, dis honnêtement, t'as dépensé combien dans des boosters? 100 euros. T'es magnifique, Nico, c'est trop grave. L'odeur du message. T'es magnifique, Nico, c'est trop grave. Il a mis c'est trop grave, David, c'est trop grave. Ah, il a écrit comme ça. C'est trop grave. Mais Nico, tu sais que c'est sûr, hein, y a déjà des mecs qui se sont les bras sur droite. Hein. Bah, c'est comme ça, hein, c'est la vie d'artiste. Hein. Et le Flambi, toi aussi. Hein. Toi, je pense que c'est. Ah, frérot, je pense que là, le plus de personnes. Ah, mais c'est sur toi. Mais t'es un baiser, c'est qui sort les pecs comme ça et tout comme Ah, par contre, non, il a raison. Là, je viens de capter. Mets les lycras, vas-y, mets des lycras, t'inquiète. Mais la tête d'homme que je vais en mettre. Oui. Jouer à Pokémon TCG pour le prochain live. Pokémon TCG, je le dis, c'est un jeu d'hasard. C'est vrai. Mais tout est un jeu de hasard. Regarde, là, c'est encore un hasard que je suis encore en vie. Ah non. Ah, Star Fox, c'est un choix. C'est juste que c'est le destin. T'es en train de dire que le hasard c'est le destin? Il y a pas non de hasard. C'est que le hasard n'existe pas et que le destin existe. Rien n'est au hasard.
Tout est déjà écrit. Comme quand tu vas perdre tous tes cheveux, Ilan. Et toi aussi, Nice Flambi. Flambi. Ouais, regarde, c'est grave, tu te mets. De profil, on voit des vagues, il y a un trou là. Après, toi, Nico, ça ne te moque pas trop parce que t'as fait une greffe, frérot. T'es ouais, tellement toi, tu l'as fait. Et alors, vous allez le faire aussi. Donc, ça sert à quoi? Moi, demain, si j'ai une calvitie, je l'assume. Bah vas-y, assume. Remonte tes cheveux. Mais j'en ai pas là pour. Remonte tes cheveux et casse pas la tête. Ah, tu vois, c'est abusé de pas assumer comme frérot, ça. Frérot, mais monte sur le côté. Frérot, regarde, je vais te dire un truc, Flambi. Tous les plus grands ont été touchés par la calvitie. Tous les plus grands, mais vraiment. Que ce soit Zidane, Squeezie, Amine, que ce soit Billy, que ce soit même Inox. Ouais. Ils y ont tous goûté. Mais. Frérot, je suis 1m70, je suis gros, j'ai une calvitie, c'est bon, j'ai compris. Tu donnes tous ces défauts, mais ton meilleur avantage, c'est d'avoir aucun défaut. Ah non, bah ça veut dire quoi? C'est un être parfait, Starford là, frère, ça n'existe pas. Ok, soyez s'il vous plaît, attendez. Faites comme si vous vous embrouillez et je vais faire un truc. C'est pour un petit. Ah bah, il veut faire des clips, vas-y, je participe même pas à ça. C'est pour bon. Un petit clip farm. Vas-y, Nico, tu sais quoi, on le fait parce que vas-y, frère. Embrouillez-vous. Va te faire Nico, t'es un bise ou quoi? Tu parles sur ma daronne, frérot. Ouais, mais frérot, tu peux pas me parler, tu peux pas parler sur. C'est la paix ici. Rien de tout ça. Et ferme ta gueule toi aussi là, tu viens avec ton. Niquez mon clip. Frérot, en plus tu mets la main comme ça, tu prends tes kiffs. Oh, reste dehors, ta main dans ta poche, t'as le chien. Tu vas sortir quoi ta poche? Regarde, moi aussi j'ai un truc dans la poche. Tiens, et moi aussi j'ai un truc dans la poche, j'ai mon gros. Hein, voilà, tu veux le voir mon gros. Hein, tu veux mon gros. Tu veux le voir ou pas mon gros? Je sais que tu veux, t'as envie de le voir mon gros. Ah le bâtard putain. T'es vraiment un bâtard car tu l'as encore ce putain. T'es vraiment un chien. Ah putain qu'est-ce qu'on est heureux. En même temps faut voir son bureau à Flambi, y a de tout et n'importe quoi. Ouais, vas-y ouais. Montre ce que t'as sur le bureau. Vas-y, allez. Mais pourquoi vous voulez voir ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a tellement de choses à ranger, il en a pour 20 ans la ping. Ok, Ilan, pour combien? Je viens, je te bombarde de spray puant. Ah ben non, ben frérot. Pour combien? Oui, mais moi je gagne quoi? Bah, tu veux faire sur moi? Pour 10. 1, 2, 3, 3. 1. Putain, je vais aller puer de baiser, frérot. Ok, à 5. Vas-y. Les mecs, je vais vous laisser, je pense, parce que vous allez vous amuser tous les deux. Ok. Non, non, non. Si, je pense que c'est le mieux que. Attends, j'ai mal coupé, frère. Ah, pardon, excusez-moi. 1, 2, 3, 5. 2. Yes. Mais en fait, Nico, je suis désolé, mais on est au moins 1, toi, t'es au 1. Oui, c'est ça, tu veux être avec les mecs riches, et bah va avec les mecs riches. Frérot, t'es en train de faire l'humiskin, nous on s'est fait mettre au moins 1, toi t'es au 1 tranquille, t'as les toilettes juste à côté, nous les toilettes sont à l'autre bout, frérot. Et j'ai pas choisi. Oui, t'as pas choisi. Frérot, et Camille 4V dans le mur à droite, il était là, là-bas, si tu l'as viré, sa merde, t'as pris tout pour toi. T'as niqué son scooter, t'as niqué sa vie et t'as niqué son studio. Regardez comment on est en train de faire l'humiskin alors qu'il a 25 ans, frérot. Il fait exprès. Putain, maintenant ils vont faire des clips et les gens dans les commentaires vont dire, ouais, c'est vraiment des bâtards. Alors que t'es même pas sur le du trio. Et tombe en dépression. Ah, c'est pas mal comme clip, vas-y, et continuez. Ah, c'est vraiment pas bon, Nico, ça, je l'aime trop. Oh, Nico, c'est trop un bon, vraiment. Comment je mutez-les. Comment je t'aime. J'aime trop Nico, c'est trop un bon. Allez, va faire en. Vous baissez les clips des gens. Flambi, dans 2 ans, tu ressembles à Master Snaku. Bah, c'est pas. Et alors? De quoi, physiquement? Mais arrête de faire. Les mecs, vous faites les miskines à chaque fois. T'as un bébé, toi, quoi? Prends le melon, là, avec ton cher vision, ça fait 4 jours que tu le portes. Tana, bah. Allez, fais le miskin, fais le. Allo, Ilan? T'es triste? Attends. Le gros clic de souris sur la main! Allez, remets-moi cette cam. Merci, t'es un bon, t'es mon frère. Hey Brooks, tu vas le buter. Merci, ça fait plaisir, ça me donne la force, vraiment, ça me donne la force. Et Nico, tu viens pas toi dans mon studio? Bah, j'aimerais bien, mais bon, je. Mais quoi? J'ai pas envie de vous déranger, hein. Salut! Nico, t'es bien au premier étage? Attends, je vais peut-être voir s'il y a quelqu'un à ma porte. Eh, peut-être Inox! Il est à côté! En fait, c'est ça, t'as décidé. Frérot, t'as décidé de virer Kamikaze maintenant, voilà. Attends, je mange une pression de ma coach. Ça, parce qu'elle m'a envoyé un message, j'ai pas vu. Elle m'a dit, c'est pas sérieux, Nico. Bah oui, frérot, t'as abandonné le sport. Si, je reprends demain. Ça faisait combien de temps que t'étais pas allé au sport? Ça fait 3 semaines, là. Bah, j'ai pas mangé. Et tu veux manger? Mais alors, tu manges en stream? Je vais manger un poulet du pays. Ok, imite un noir d'Aubervilliers, mais genre qui vient d'arriver en France il y a 2 mois. Qui est venu en bateau, qui a pas les papiers, tout ça. Toco, toco, dombi. Oh, allez, c'est bon. Vas-y, bonne soirée, les mecs. Moi, déjà? Bah, vas-y, non, mais vas-y, il préfère partir. Il va capter madame, hein. Bah, pas du tout. Bah, c'est vas-y, preuve que tu vas pas capter madame. Maintenant, dans ta vie, y a une nouvelle personne, madame Flambi, hein. C'est ça, les frérots, c'est. Enfin, y a rien, en vrai, tu peux aller capter ta meuf, il est juste 23h30, demain, t'as rien à faire et tout. Non, mais surtout, va capter une meuf à 23h, on sait ce qui va se passer, vas-y, bref, tant pis. Mais j'ai pas de meuf, il ment. Bah, frérot, y'a rien, wesh.
Tu leur as parlé de ton tatouage, Nico? T'as fait un tatouage? Et qu'est-ce qu'il faut raconter, les mecs, sérieux? Flambi, si c'était pas haram de faire des tatouages, t'en aurais fait un ou pas? Où? Frérot, sur les bras, sur les... là, surtout sur les mains, au cou, jambes, torse. Aux couilles? Bah ouais, vraiment? Et t'aurais fait quoi comme tatouage? Des dracofeux, des... Alors là, les tatouages Pokémon, manga et tout, jamais de la vie. Et ceux qui font des tatouages Pokémon, quoi? C'est quoi le problème, ceux qui font des tatouages Pokémon? Ah non, mais c'est pas mon style, quoi, c'est tout. Ah, mais si j'avais pas été musulman, j'aurais fait voilà les tatouages, ça. Mais t'es pas musulman. Oh putain, merde, bah j'ai oublié d'en faire. Mais tu sais que dans la vidéo de Tsuku, je me suis fait attends, un tatouage. Attends, c'est quoi les tatouages que t'as en dessous, là? Ah non, c'est clairement des poils. Oh, c'est quoi, ça? Bah, vas-y, montre un peu, Flambi. Moi, y'a rien, moi. Vas-y, non, bouge. Montre. Ah, ah. Non, Hélène, on va pas demander, crois pas, on va pas demander. Non, on veut pas de pecs, on veut pas de pecs, s'il te plaît. Je vous en supplie, demandez-moi. Tu préfères Hélène ou ta mère? Bah, ma mère, t'es con ou quoi, toi? T'es sérieux, toi? Et ta mère, elle fait attends, rien. Attends, ta mère, elle fait de l'AVRL? Elle fait quelque chose? Ah, oh, vous préférez que votre mère, elle meure aujourd'hui ou demain? Comment vous allez réagir si un jour vous apprenez que votre mère, elle est décédée? Bah, ça lance un stream. Mais comment tu veux que je réponde? On sait pas comment réagir. Tu crois que c'est un live ou quoi? Je prépare des happenings. Alors si ma daronne elle meurt, alors je fais ça. Frérot, on prévoit ça, se prévoit. Ah non. Bah je suis juste triste. En vrai, on peut pas savoir en vrai, parce que ça va tellement te procurer une émotion intense que tu vas pas réagir en étant lucide. Pendant un instant, moi je me disais, si ma mère elle meurt, ça va rien me faire. Mais là, c'est pas Batman, frérot. Non, mais parce que moi, parce que ça c'est ce que tu penses. Non, mais parce que vu que j'ai pas grandi énormément avec ma mère, parce que j'ai grandi en famille d'accueil, bah c'est pour ça. Qu'en vrai, je me suis dit, ça me faisait rien. Parce que avec ma mère, on n'est pas les plus proches du monde. Mais ça reste ta mère quand même. Mais depuis ma petite soeur, on s'est quand même bien rapprochés. Et en vrai, je l'aime. Après analyse, comme ça, j'ai analysé le marché. J'ai dit, c'est bon, je l'aime. La daronne ou la petite soeur? Bah, les deux maintenant, du coup. Préfère ton t-shirt tigre ou ta daronne? Bah, vu comment elle m'a forcé à le porter, je sais pas quoi répondre. Sergo qui spamme les questions. Nico, tu préfères moi ou ta mère? Bonne année 2002, Sergo. Bonne année 2002. Mais mec, vous savez qu'un matin, je me suis levé, Sergo, il m'a juste envoyé un message. Tu préfères moi ou ta mère? Vraiment comme ça? Ouais, c'est abusé. Et le lundi, il était trop content. Ouais. Et dites-vous, lui, il écrit des vidéos. Oui, oh, il a fait comme ça le matin. Oh, quand c'est Sergo, moi, quand il m'a envoyé, tu préfères moi ou ta mère? Il va arriver. Vous savez pourquoi il est derrière la caméra et pas devant maintenant? La parole de la classique, quand je prends un ascenseur avec lui. Oua, pas plus de 800 kilos, Flambé, pas plus de 800 kilos. Et les mecs, c'est quoi sinon vos prochains projets là? J'en ai un, mais en fait, je sais pas, je le fais parce que si je le fais ou pas, parce que Ilan et Nico, ils m'ont mis le doute, ces chiens. En gros, je devais faire un 24 heures enchaîné avec Cocotte, mais ils m'ont dit, ah, mais c'est parce que tu veux la gérer ou quoi, tu fais ça et tout. Ah oui. Mais bon, parce en fait, que moi, mais attends, ça même pas. Tu vas dire l'entièreté des choses ou pas? Tu vas dire l'entièreté des. Mais 24 heures enchaîné avec Cocotte, comme par hasard. Hein. Il y a un problème, c'est là, t'as pas dit l'entièreté, tu peux finir ta phrase, est-ce que tu nous as dit? C'est quoi, vas-y, l'entièreté? Je sais pas. Dans le 24 heures enchaîné, la seule chose que j'attends, c'est quand on va dormir. Ça a rien de rigoler, je l'ai bien entendu ta bouche, ça. Ah, en plus, pourquoi tu fais pas avec Nico le 24 heures enchaîné? Ouais, Flambi qui commence le 24 heures enchaîné. Putain, par contre, j'ai pas pris ma douche. Bon, allez, c'est le moment. Ah, ça fait 6 semaines, j'ai pas pris ma douche, ça. Viens, on fait la douche ensemble. J'ai une vraie question, tu vas rentrer sur quel son à la DTR? Franchement, je suis up, hein. Oh, t'es pas chaud, tu rentres sur bande organisée, ça. Oh, sur la partie de Sosomanes. Oh, masterclass. Qui revient foutre la Lampo. C'est toujours que vos studios connu l'équipe de... Et la peinture, payé un mec sans papier qui m'a fait 80 euros. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais en vrai, moi je vais rentrer sur ça. Mais moi, qui fait le pauvre, ça, on n'en peut plus. Mais ça, je vous jure. Application de seconde, vas-y, allez. Je me sens jamais mieux que dans mes Yeezy. C'est que moi, il me reste. Attends, moi, je vais me prendre un poulet grillé. Mais t'as des plats? Ouais, mais là, le plat, il est... Mais oui, t'as des plats, c'est vrai, ça. T'as des plats? Frère, tu vas pas prendre un poulet gris, t'as des plats. Ça a rien de réfléchir, on t'a mis dans la merde, là, ça a rien. Mais... Verrouille ce téléphone. J'ai regardé ce que j'ai. Bah attends, mais il cherche quoi, là? Il est juste en train de réparer le frigo. Putain, mais il arrive à cacher tout le frigo. Quoi, merde, c'est grossophobe, frère. Mais je pas... Attends, mais toi, t'as le mot grossophobe facile. Facile, en plus, putain. Regardez, c'est mon plat. Si, j'ai du mal à articuler. Vous en pensez quoi de mon plat? Bah, t'es c'est quoi, du saumon ou du poulet? C'est du poulet, toi. Oh, poulet, haricots verts, pâtes. Frérot, mange voilà. Ça, frère, mange ça, c'est mange magnifique. Ça. C'est très bien. Mais attends, moi je comprends pas, tous les jours t'es là en mode perte de poids, et tu commandes... Bon, les mecs, on est en train de se fatiguer là, on va aller dormir là. Tu me forces à dormir ou quoi? Il a reçu tellement un message de sa meuf, Ilan.
rentre à la maison. Ouais, vraiment, ça prend sa bise et ça. Ah, attends, je me mute, frérot. Ouais, allô, bébé. J'arrive. Je cut le stream là. Je cut le stream et j'arrive. Ilan, tu croyais qu'on allait faire semblant que tu parles vraiment à ta meuf? Alors que t'as envoyé un bouquet à personne. Ouais. Et oui, t'as rien fait. Envoyé à personne, ouais. Ouais, mais t'es juste en train de mentir à la communauté et mentir, c'est haram. Bah, c'est pour les clips. C'est haram pour les clips, ça va alors. Vas-y, parfait. Ouais, salut. Et avec et les clips, tu fais quoi? Tu fais de l'argent? T'as joué à l'Airbar, t'as menti? En tout cas, les mecs, ça là, j'ai dit bébé. Pas mettre la rediff quand même. Ça là j'ai dit bébé, mais jamais de ma Attends, vie. Attends, mais tu dis bébé, toi, t'es pas. Non, mais non, justement, je dis ça parce que je le dirai jamais. Moi, j'ai déjà dit bébé, hein. La vie de ma mère, jamais. Ah, écoute-moi bien, Ilana. La dernière fois, je reprends Nico en train de parler à sa meuf et lui dit chaton comme ça. Non, j'ai dit mon chat, j'ai pas dit chaton. Bah, c'est encore pire. Bah, non, c'est mignon. Frérot, jamais de ma vie je pourrais appeler ma meuf par des noms affectifs comme ça. Mon amour. Bah moi, je l'ai déjà appelé. Ça va aller, mon chat. Moi, je l'ai déjà appelé mon baby shark. Juste un peu. La daronne de ta meuf, elle a galéré à porter 9 mois dans son ventre pour qu'il lui donne un prénom. Et que toi, son prénom, tu l'appelles même pas, tu l'appelles par chaton okay. Ou bébé. Moi, frérot, c'est mort, je l'appelle par son prénom. Et si ta daronne, elle s'appelle mon chat, tu dis quoi? Si elle t'a surnomme mon chat, tu dis quoi? Bah, tu fermes ta gueule et tu vas faire ce qu'elle t'a dit? Voilà. Donc reste pareil. Cassé. Allez, c'est là. Je peux pas partir très loin parce que je suis attaché avec le casque, mais... Ilan, je fais quoi? C'est tu te marres avec ta meuf, ça fait un an, mais elle t'a caché. C'est une grande fan de moi, de baiser. Elle regarde tous mes streams, elle est sub-tier 3. Vraiment, mais elle vit pour moi, ça. Ah, je la quitte. Ah bah, frérot. Mais c'est ta meuf. Mais oui, t'aimes, mais... t'aimes oh, de baiser. Mais Flamme, oui, arrête de faire le choquer, c'est tout ce que tu voulais. Je rentre chez moi, je regarde ton stream. Bah quoi? Ok, Ilan, tu fais quoi? Un mec qui vient, il te plante. Nico, t'es marocain, oui. Ok, qu'est-ce que je fais? Ok, j'ai comme ça, vraiment. Ok, là il te tire une balle dans le crâne. Mais tu fais quelque chose. Bah, oh, mais réagis, fais quelque chose. Je suis mort. Ah, vas-y, frère, t'as rien compris. Bah, frérot. Ok, toi, Flamie, vraiment, il y a quelqu'un qui arrive, une meuf comme ça, et elle est trop fraîche. Tu la connais ni d'Adam ni d'Eve. C'est vraiment ton style. Et vraiment, elle vient, elle t'embrasse. Ah. Mais tu la connais pas, hein, c'est une meuf vraiment qui. Personne n'a jamais vu. Tu vois Flamby là comme commenté là. Tu vois la commenté. La tête de Wam que si on n'était pas en stream et que si je serais tombé sur un clip, j'aurais pas su si c'était une IA ou si c'était toi. Parce que tu dis, c'est peut-être une IA, tu vois. Parce que tu vois le mec qui fait des IA là avec Michou et tout, qui l'a fait avec toi même. Ouais, ouais. Et bah maintenant j'arrive plus à savoir. J'ai l'impression que t'es une IA là. Qu'il va se passer, bah, qu'il y a un mec, que tu vas te lever, que ton ventre il va faire comme ça. T'es pas une IA, tu sais pourquoi? Parce que t'es toute une IA. Attends quoi? Mais c'est une IA! Il s'est levé son ventre, il a fait comme ça. Et toi, Nico, tu sais que le mec, il a fait sur Michou, il a fait sur Flamby, aujourd'hui, il a fait sur moi, il manque plus que toi. Hein. Ouais. Tu penses qu'il va te faire quoi, toi, sur l'IA? Je préfère même pas en parler. La vidéo, elle est 10 sur 10. Allez voir Outlast. J'en profite d'avoir un peu la parole. Allez voir ma dernière vidéo Outlast. Elle est très bien, 1h37 de full plaisir. N'hésitez pas à aller regarder l'ouverture de colis, parce que ça, après une bonne vidéo Outlast, une bonne ouverture de colis, ça fait, ouais, du bien. Vraiment, vous viviez pour les vues, quoi. Ça me... Bah, bien sûr. Ok, votre travail, en fait. Enfin bref, on moi les mecs, ma vidéo La Earth Barrière, elle sort le 27, je rappelle, avec Flamby. C'est une moi, blague ou quoi? Attends, mais... Kameto attends, et Magla. Attends. Vraiment masterclass, attends. La vidéo. Il y a une... Déjà, il dit qu'il sort le 27, tu n'as jamais utilisé une vidéo qui est sortie à l'heure. Hein. Oui, déjà. C'est vrai. J'espère, Inch'Allah, qu'elle va sortir le 27, parce que sinon, je serais vraiment dégoûté. Il y a Kameto, Magla, moi et Flamby dans la vidéo, donc c'est une masterclass monumentale. Enfin bref, les mecs, en tout cas, merci énormément d'avoir suivi ce stream. Nous, on va cut ici. Quoi? Yassergo, il a prévenu le chat, il a dit on est juste dans la merde si elle sort pas le 27, ça. Oula, attends! Y'a CloonTueur92 qui m'appelle. Mais les mecs, ciao. Moi ça je vais cut mon stream ici en vrai de non, vrai. Non. Oh, demain moi j'ai entraînement, ma gueule, moi j'ai un combat après. Bah même moi demain j'ai entraînement, donc si y'a un mec dans la rue qui veut se battre, bah je ferai pas. De toute façon, samedi vous allez bien vous entraîner les mecs. Mais entraînez-vous bien cette semaine pour être prêt samedi. Hein. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée. Attendez Flamby, Nico, vraiment je vous aime, vous êtes tellement mes frères. Nico, moi frérot, je vais pas faire comme l'autre enfoiré de Flamby qui part sans te prévenir. Moi ouais. Vraiment, t'es mon frère, vraiment jusqu'au bout. Hein. Que tu sois cancel ou pas, je serai. C'est pas grave. En tout cas, les mecs, voilà, moi je vous aime tous et je vous souhaite que du bonheur. J'espère que vous allez réussir dans votre vie, les mecs. Vous m'avez rendu heureux. J'espère vous rendre l'appareil un jour aussi. Mais en tout cas, voilà. Vous aime tous, passez une bonne soirée et dormez bien. Au revoir. Tu
vas où comme ça? Reste ici. Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi. Sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage.